dans la phase de qualification dans ce groupe L entre Camara. Et c'est parti pour ce sixième et dernier match dans la phase de qualification dans ce groupe L entre John Kester, le natif de Manchester. Hein, il est anglo-sierra-léonais, John Kester. Il aura cette mission de propulser les Leon Stars pour la troisième fois de leur histoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, concentration du gardien Camara. Et c'est parti pour ce sixième et dernier match dans la phase de qualification dans ce groupe. Pogba à l'intérieur avec Sebio Soukou. Jordan Adeoti, la frappe d'Adeoti. Il était arrivé dans l'équipe des East End Lions. La couverture du capitaine béninois Khaled Adnan de Mohamed Camara. Sur un pas, hein, il a réussi à se mettre sur un tout autre résultat qu'une victoire. Eh bien, ne permettrait pas au Sierra Leone de se qualifier. Un premier point chaud à distance du but de Saturnin Lagbé. C'est Sebio Soukou dans la boîte. Ce jeu aérien dont on parlait, on connaît 23 des 20 équipes déjà qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier élu, eh bien, il est. Et un ballon qui va être le plus loin possible, mais c'est complètement raté, sans problème pour Saturnin. C'est davantage levé. Ah, mais la précision n'y est pas non plus. Récupéré par Saturnin à Lagbé. Ballon piqué, c'est une belle combinaison avec le ballon qui a eu, semble-t-il, un effet rétro. Continuer sa carrière, notamment en MLS, aux Etats-Unis avec Columbus, les Colorado Rapids. Récupération, et Jodel Dosu le long de ligne pour Sebio Soukou. Le centre sera contré. La longue remise en touche d'Asogba avec une poussette, faute des Mansaray. Loin devant, le jeu à 3 avec la vitesse de Bundu. Ouais, c'est un énorme. C'est un petit peu osé, hein, surtout que ce terrain, on a vu le ballon qui a sauté, mais il s'en est bien sorti. Jordan Adeoti. Le renversement d'Adeoti. Ouais, de convertir ce ballon initialement décalé par Mustapha Bundu. Et le centre en première intention, c'est plutôt bien fait. Et oui, le point de pénalty est détruit. Avec la transformation de Kay Camara, l'un des joueurs les plus expérimentés dans cet effectif Sierra Leone. C'est lui qui a pris ses responsabilités pour transformer ce pénalty et tromper Saturnin Lagbé. Ça fait 1-0 pour Sierra Leone. Et à ce moment-là, les Leone Stars sont qualifiés. Chenkan. L'avait anticipé du bon côté, hein, Saturnin Lagbé, mais la puissance était au rendez-vous, hein, pour ce pénalty de Kay Camara. Coup franc pour le Bénin avec Sebio Soukou. C'est tiré très haut, le ballon qui retombe. C'était une possibilité, cette remise en touche. Olivier Verdon, la déviation de Steve Mounier, hein, qui porte la plupart légèrement excentrée. Brestois, difficile de pouvoir redresser, surtout sur Neuchâtel Xamax, après avoir porté les couleurs de Zurich. Lui aussi, hein, son expérience va être importante, hein, dans ce match, et surtout Verdon. Touche de balle, Jodel Dosu, hein, qui a permuté justement un peu moins à son aise sur l'aile droite, vu ce désir de révolte. Soukou avec Bundu, c'est créer des occasions. Voici un premier décalage avec Soukou qui a voulu retrouver à l'intérieur son partenaire Jodel Dosu. Les Leone Stars n'ont pris que 2 points sur 6 possibles. Eh bien, c'est peut-être ça qui leur manque aussi et qui leur fait perdre cette partie des
face au Sogba. Avec Adnan à l'intérieur, Soukou le renverse. Ce centre qui ne décollera pas pour au Red Star en région parisienne, en 3e division française. Mounier. Il y a la transmission derrière au milieu de terrain, mais vraiment on sent ces lignes distinctes. Oh, avec le coup de tête de va retrouver un partenaire avec ce centre d'Assogba qui est en se plongé, danger écarté. On part positionne les hauts 3 bien placé hein, sans effectuer un pressing haletant, mais juste bien disposé pour gêner les possibilités. C'est plutôt complémentaire. Assogba, le centre qui a été freiné, tête de Bangoura. Oui, un décalage, la progression de Jodel dessous, c'était dans le Koukpo qui était venu accélérer et mettre de la percussion. Il maintenant ne pouvait pas rester dans cet état léthargique trop longtemps et met davantage de détermination pour essayer d'égaliser. Le corner qui va tirer, c'est Biosoukou, très haut, très loin, difficile hein, ce genre de ballon. Oh, les Béninois depuis quelques instants avec Koukpo, ça a été freiné et capté derrière, haut sur le terrain. Ils resteront à la merci des contre-attaques et de la vitesse d'Augustin Williams, mais également attention à la vitesse des possibilités pour les Béninois avec Jodel Dossou qui rentre sur son pied droit, c'est contré, nouvelle chance et contré par son partenaire avec Moustapha Boundou. C'est bien accompagné au centre malgré tout. Béninov essaye de se montrer davantage disponible et intelligent dans son placement, à se positionner entre les lignes. Attention à ce ballon en l'air, capté. On va suivre la réorganisation des Sierra Leonais dans les minutes à suivre. Avec cette frappe un petit peu compliquée en pivot, dos au but. Tourner cette défense Sierra Leonaise avec une accélération sur le côté droit. Avec Assogba, le crochet d'Assogba dans la surface de réparation. Ah, et la frappe. Ah, il va essayer de s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. Tête défensive de Bangoura. De Bourou, c'était osé, audacieux. En plus, il y a un attaque-défense, déviation de la tête de Steve Mounier pour Mickaël Poté. Positionnement de ça de Fofana. Attention à cette possibilité de contre-attaque. Oh, il est un petit peu tergiversé. Ce ne sera pas touché, ce sera...